C'était hier, quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté, Dimitri faisait du roller à Prague. Tous les deux, ils ont été touchés par l'aventure. Comme toi, j'aurais un mot simplement à te dire. Si tu pars, n'oublie pas la terre où ton cœur a vu le jour. Zanzibar ou Maurepas, faudra jamais que tu... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission que vous avez l'habitude de suivre, Tribune des Sages. Tribune des Sages, votre plateau politique qui reçoit pour vous les hommes politiques de la majorité, de l'opposition et aussi ceux de la société civile pour essayer de décortiquer ensemble la situation politique en République démocratique du Congo. Ça, c'est notre devoir de toute la semaine, de tout le jour, connaître ce qui se passe dans le pays et aussi inviter ceux-là qui ont une certaine connaissance de ces choses, de ces informations, pour les apporter à tous nos téléspectateurs de Wapicom Télévision, la chaîne à large idéale. Voilà, je suis très heureux de vous avoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Ce soir, comme d'habitude, nous recevons quelqu'un. Lui, c'est sa première fois de faire son entrée ou sa participation sur ces plateaux de Tribune des Sages. Il s'agit bel et bien de monsieur, bienvenue, Bambalé. Il est comme ça, président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise, MJC, en sigle, un parti de l'opposition. Et ces partis se retrouvent dans la dynamique de l'opposition aussi, dans les rassemblements de l'opposition en République démocratique du Congo, sans plus tarder. Et bonsoir, monsieur Bambalé. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous également, merci. Vous vivez en Europe, en France. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au Congo? Donc, vous savez, moi, ça fait 25 ans que je vis en France, mais je fais le va-et-vient. Je suis d'abord à gérer, au départ, chef d'entreprise. J'ai des entreprises en France et puis au Congo. Donc, je fais le va-et-vient. Donc, ce qui fait que le Congo, c'est mon pays. Donc, chaque année, je suis au Congo, je dirais deux ou trois fois. Donc, pendant ces 25 années, donc, je suis tous les ans à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui de créer un parti politique? Vous vivez en Europe, 25 ans durant, sûrement vous avez une bonne vie, mais c'est quoi les mobiles ou les motifs qui vous a poussé à créer les MJC? Non, c'est l'essence des devoirs. Vous savez, 25 ans de vie en Europe, on a acquis d'autres mentalités, d'autres façons de voir les choses. Quand je vois mon pays d'accueil où je vis, où je suis reconnu, responsabilisé, et je vois mon pays d'où je sors, c'est le pays le plus grand, riche au monde, et avec toute cette diversité de la richesse qui est cette population pauvre, ça me fait mal au cœur. Quand je vois les gens qui nous gouvernent sortis de nulle part, qui sont arrivés pieds nus, demain ils bâtissent des maisons, ils s'enrichissent, la population reste pauvre, ça me fait mal au cœur. Je me suis dit, on vit une seule fois, je suis né un jour, je mourrai un jour. Donc j'ai pris cette décision de vouloir changer les choses dans mon pays. Et MJC existe depuis combien de temps déjà? Nous avons été créés le 15 mai 2015, donc on a l'agrément depuis 2016, donc ce qui fait que on a fait une sortie officielle le 27 avril, donc depuis je suis à Kinshasa, géré pour toute une année, pour lancer le parti un peu dans tout le coin du pays, de façon que cette jeunesse-là, qui sont un peu oubliées, qui se prennent en charge, parce qu'aujourd'hui, nos politiciens, ils s'en servent de ces jeunesses pour leurs petits besoins, et quand ils n'ont plus besoin, ils les jettent comme des mouchoirs. Moi, j'aurais voulu faire ce qu'on appelle l'éveil patriotique, pour que nos enfants, nos fils, nos jeunes, le Congo, c'est leur pays, qui s'intéressent dans l'appareil politique, parce que sans ça, leur avenir, leur devenir est compromis. Parce que ces gens-là qui nous gouvernent aujourd'hui, ce n'est pas des visionnaires, c'est plutôt c'est des commerçants. Donc ils sont tous dans les commerces, dans tout ce que vous savez, mais malheureusement, ils ne veulent pas penser à mettre un état de droit ou qu'aujourd'hui, l'État a le devoir de protéger sa population. Puisque même dans la Constitution, on parle de l'article 42. L'État a l'obligation de prendre soin de sa jeunesse, dont santé, éducation, donc aujourd'hui, tout ça, c'est bafoué. Et moi, ça me fait mal le cœur de voir que dans un pays pareil, les gens qui gouvernent, qu'ils n'ont pas la vision pour ce pays. Là, les politiciens n'ont pas la vision pour ce pays, messieurs, bienvenue Bambalé. Mais pourquoi avoir aujourd'hui choisi l'opposition, tandis qu'il y a aussi la majorité, il y a une autre plateforme en face de l'opposition qui est la majorité au pouvoir. Pourquoi avoir choisi l'opposition? Vous savez, M. Kabila, il est arrivé au Congo par son père, par Afdel, puisque selon eux, on avait... Kinshasa à l'époque, aux Zaïre, on avait un grand dictateur pendant 32 ans. Grâce à eux qui sont venus, ils balayaient ces dictateurs, donc du coup, pour nous libérer.
Mais après cette libération, et 15 ans après, on s'est rendu compte que nos libérateurs aujourd'hui, ils deviennent aussi des oligarques. Donc ils veulent aujourd'hui confisquer le pouvoir. Alors sachant que gouverner, c'est prévoir. Monsieur Kabila, de 2001 à 2016, aujourd'hui, il a 15 ans de pouvoir. Mais par mégarde, il a peut-être oublié de faire les élections. Mettons, on nous parle du dialogue. Est-ce que vous avez vraiment parlé des dialogues? On avait besoin? Non, parce qu'ils sont toujours nos libérateurs. Ils doivent nous libérer, faire la passation, ou bien créer carrément la transition. Donc pour moi, je pense que c'est des gens aujourd'hui qui sont un peu dans la mauvaise foi. Mais quand vous dites que M. Kabila n'a pas voulu organiser les élections, il y a la CENI qui a été mise en place, qui est l'organe technique pour organiser les élections, M. Mamadi. Vous savez, la CENI, ça pourrait être, je dirais, une affaire technique, si c'était un pays où, je dirais, la justice était indépendante. Malheureusement, c'est une affaire politique. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous dis, gouverner, c'est prévoir. 15 ans de pouvoir, c'est bien qu'il est rentré quelque part, il devait préparer sa sortie loyale. Malheureusement, M. Kabila, il a oublié de faire les élections. Donc, il a voulu commencer par, soi-disant, dialogue. On n'a pas besoin de dialoguer. Il devait penser que, voilà, comme un bon père de famille, j'ai gouverné, il est mon temps, il est fini, je m'en vais. Mais là, malheureusement, il n'a pas fait. Vous êtes au courant que les opérations d'enrôlement ont déjà commencé au Nord-Ubangi? Vous savez, malheureusement, c'est la mauvaise foi. Aujourd'hui, moi, je fais mes calculs. J'ai entendu qu'ils ont acheté des kits. Hein, dans ces kits-là, qui peuvent, vous allez contenir, j'irai 80 000 bulletins de vote. Aujourd'hui, et ils veulent faire de l'enrôlement, j'irai étape par étape. Alors aujourd'hui, on a la possibilité de recruter 17 000 jeunes, créer 17 000 points d'enrôlement et de faire tout dans le même temps. C'est-à-dire avec un kit qui fait 80 bulletins de vote, on peut dans un mois faire presque la moitié de l'enrôlement en même temps. Alors selon eux, comme ils ne veulent pas... Mais ils se posent un problème de moyens pour avoir tout ça. Vous savez, il faut payer ces jeunes et quand vous les enrôlez, vous les recrutez, il faut les payer. Peut-être que la CENI, elle dit toujours qu'elle n'a pas assez de moyens pour faire tout ça. Vous savez, ils ont eu le moyen en 2006 pour faire les élections. Ils ont eu le moyen en 2011 pour faire les élections. Le Congo, ce n'est pas un pays pauvre. Le Congo, à elle, tout seul pourra nourrir toute l'Afrique pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Alors ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils sont tous des commerçants. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps les frères et la sœur qui inaugurent, gérer des hôtels particuliers, je ne sais pas où. Alors tout cet argent-là pourra aider la population. J'ai vu la notre fête d'indépendance, celui de fête à Kinshasa, ils l'ont déplacé à la Kindu. Ce sont l'argent dépensé. J'ai oublié ici la RDC. Oui, mais vous savez, je suis désolé, il faut que les choses soient claires. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent, ne dépensez pas de déni public. C'est notre argent que ces gens-là dépensent aujourd'hui. C'est notre argent. On a le droit du regard là-dessus. Malheureusement, nos jeunes Congolais aujourd'hui, ils sont frappés d'une amnésie. Puisque aujourd'hui, les jeunes Congolais, la police, ça ne les intéresse pas. Ils ont fait sciemment. On nous a mis dans chaque coin de la rue le Nganda, les bars partout, les églises partout. À quel moment nos enfants ont le temps d'avoir la réflexion? Donc le MJC, s'il faut le croire, il faut le comprendre, est venu pour la conscientisation de la jeunesse congolaise. Nous voulons faire l'éveil partout. De façon que chaque enfant né dans ce pays, voulu ou pas voulu, il sache qu'il a droit à réussir sa vie. C'est une obligation. Un enfant qui est venu au monde, que ses parents soient pauvres ou pas, la pauvreté, c'est déjà ce n'est pas la fatalité. Okay? L'État a le droit de faire de sorte qu'un enfant qui est dans la rue, on le ramasse. À mon époque, il n'y avait pas de corona, monsieur. Les petits fonctionnaires qui touchaient son, je ne sais pas combien à l'époque du Zaïre, ses enfants allaient à l'école. Ces petits fonctionnaires aujourd'hui, ils avaient la carte, ce qu'on appelle des cartes endroits, l'équivalent des cartes sociales. Ils allaient à l'hôpital aujourd'hui. Les petits fonctionnaires en question, là, ils touchent combien? Vous demandez à un policier porter d'une arme, de surveiller un pays, vous le payez 50 000 francs congolais. Quand vous voyez vos soi-disant députés honorables, avec de grosses costumes, gros 4x4, vous le payez 6 000 dollars. Entre ces députés-là qui parlent majorité, dans le Parlement de cette majorité, et ces policiers qui doivent garder un pays avec une arme à la main, vous payez 50 000 francs congolais. Vous ne voyez pas qu'on marche sur la tête? Merci beaucoup, M. Wambale. Je vous rappelle, vous qui nous suivez, c'est Tribune des Sages sur Webcom Télévision. Ce soir, nous recevons pour vous M. Bienvenu Wambale, qui est comme ça président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Il parle de l'éveil patriotique, un parti de l'opposition, du rassemblement politique ou de l'opposition congolaise. M. Wambale, au moment où nous parlons, vous êtes implanté dans quel coin déjà ici en Congo? Nous sommes sur Congo le 147, commune de Kinshasa. Nous sommes à Selembao, nous sommes à Barumbu, nous sommes à Kingasani. Nous sommes aussi à Lingwala. Aujourd'hui, nous avons réussi à implanter 5 bases, et sans compter nos points de chute que nous avons créés. Donc l'objectif est que nous puissions vraiment occuper les 24 communes de Kinshasa et puis rentrer à l'intérieur. Donc c'est notre devoir, on va le faire, on va y arriver. Merci beaucoup. S'il faut parler aujourd'hui, vous avez parlé de,
de l'opposition, parce que vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans la dynamique. Mais qu'est-ce qui se passe dans la dynamique? Aujourd'hui, on sent beaucoup de choses. Il y a les gros au sein de la dynamique, il y a ceux qui partent, ceux qui claquent la porte, il y a même des radiations, des expulsions, des sanctions. Qu'est-ce qui se passe au sein de la dynamique actuellement? Vous savez, peut-être je risquais de choquer quelques gens aujourd'hui. Malheureusement, nos hommes politiciens, c'est des gens qui font la politique du ventre. Ils ont faim. Comment ça, tu es aussi politicien, mais c'est pas mal. Non, je suis d'abord entrepreneur, je suis dans l'entreprise. Je m'en sors. Je n'ai pas besoin d'être pour vivre. Je gère des entreprises ici et là-bas, tout le monde est au courant. Je fais la politique pour moi, ça devient comme l'apostolat. Parce que j'ai quitté femme enfant pour venir se faire un peu peut-être au péril de ma vie. Et j'accepte, si ça arrive. Mais aujourd'hui, sachant que les gens qui veulent faire la politique aujourd'hui, ils veulent s'enrichir. Alors, quand on dit gouverner, c'est servir. C'est pas se servir. Malheureusement, ces gens-là, ils font la politique pour s'acheter des grosses maisons, mais avec de mauvaises finitions, de grosses 4x4, et qui polluent bêtement les gens. Et quand tu vois là où ils construisent leurs maisons, les voisins en face, c'est des maisons en paille. Donc, ils n'ont même pas vraiment l'éthique, la finesse des choses. Le match vit vraiment à 100%. Ça, moi, j'ai combat. Mais que voulez-vous dire en bref par rapport à ce qui se passe au sein de la dynamique? Dans la dynamique aujourd'hui, il y a des gens qui sont nobles. Hein, parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'était la question qu'on posait. Aller au dialogue, pourquoi faire? Si c'est un dialogue technique, oui. Mais un dialogue politique, ça doit coucher un enfant en double tête. Parce qu'aujourd'hui, Kabila, son souhait est de rester au pouvoir, j'assume le mot. Kabila veut s'arranger, faire son glissement. Comme il dit, voilà les gars, venez, on s'assoit, on partage les gâteaux. Mais ça, c'est vous qui le dites au niveau de la dynamique, mais ce n'est pas la vision même. Il n'a encore rien dit, il n'a encore fait ce genre de déclaration. Vous pensez réellement, comme il avait besoin de parler des dialogues, je vous ai dit, il est rentré quelque part. Il devait savoir qu'il devait sortir tôt ou tard. Pourquoi ne parler des dialogues? Est-ce qu'on a besoin de parler des dialogues aujourd'hui? Il a 15 ans de pouvoir. Harmoniser quoi? Les processus électoraux. Monsieur, ça fait 15 ans qu'il est là. Donc, comme un bon père de famille, quand vous louez une maison, il y a un bail de 3, 6, 9, votre bail arrive à la fin, monsieur. Vous devez partir libérer la maison. Commencez pas à dire que voilà, je n'ai pas trouvé une maison, c'est la mauvaise foi. Mais quand vous parlez du dialogue technique, ça veut dire, vous voulez dire quoi concrètement? Poser les dates des élections. Qui est élection aujourd'hui? Vous savez, ils nous ont parlé de l'article 70. Le président élu reste voilà, pendant un an, voilà. Bref, cet article-là, on ne devait pas en parler s'il n'y avait pas élection. Secondo. L'article 113 qui dit quoi? Le scrutin est convoqué 90 jours avant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut dans leur sens, l'article 110, on accepte. Très bien. Mais les 10 septembre, il faut qu'ils fassent. Le corps électoral. Donc s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a manquement. Nous, on peut encore le plus loin. Ça veut dire que s'il n'y a pas ça, donc on peut faire appel à l'article 115, qu'il y a beaucoup plus que le président du Sénat qui fasse la transition. Donc inconsciemment, c'est conseillé et le mal conseillé. Sincèrement, le président peut-être, il avait plus de chances dans ce dialogue, hein, mais en partant le dialogue de l'autre côté, il parle de CENI de l'autre côté, il parle de l'arrêt 70. Donc ils ont fait tellement de choses, ils se sont dispersés un peu ces chances. Aujourd'hui, ok, l'article qu'on a accepté, mais les 19 septembre, il faut qu'ils puissent convoquer le corps et l'électoral, sinon ils sont en porte-à-faux. Mais déjà aujourd'hui, à voir les choses telles qu'elles sont laissées faire. C'est sûr qu'il n'y aura pas convocation du corps électoral le 19 septembre. Mais au sein de la dynamique, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on a entendu lors du meeting des rassemblements qu'il y aura un préavis qui sera donné au chef d'État de 3 mois jusqu'au 19 décembre. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'opposition? Qu'est-ce que pensez-vous? Mais c'est un manquement. C'est un manquement. C'est comme si c'est une trahison. Puisqu'il devait respecter cet article. Donc le 19 septembre, il faut qu'il puisse convoquer ses corps. C'est le passé qu'il est dans la incapacité de gouverner. Donc là, tout Congolais a le droit de faire barrage à quiconque qui veut prendre le pouvoir par la force. Aujourd'hui, on pourra dire, voilà, s'il n'y a pas ces convocations, donc il y a trahison, les 9 décembre, Kabila, il démissionne, ou bien qu'il fasse la transition à quelqu'un d'autre. Oui, au fait, aujourd'hui, les MJC, c'est un mouvement de la jeunesse congolaise. Que dites-vous à la jeunesse par rapport à tout ce qui se passe au pays actuellement? Vous savez, moi, à mon arrivée, je puis refaire ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, là, le dialogue le conclave. J'ai vu des résolutions, j'ai dit, voilà, c'est très bien, mais dans tout ça, je n'ai pas vu une ligne où on parlait de la jeunesse. J'ai vu le dialogue initié par les chefs de l'État, je n'ai pas vu une fois une ligne soulignée par de la jeunesse. Chez nous, à MJC, on avait convoqué un conclave de jeunes. On a parlé, vraiment, pour le devenir du Congo avec le jeune. Aujourd'hui,
je fais appel à toutes les jeunes gens de toutes les parties d'opposition qui existent dans le rassemblement pour que nous puissions mettre en place un rassemblement de jeunes qui vont aller dans ce dialogue-là avec nos pères et nos grands frères aujourd'hui, et eux, ils travaillent pour nous, pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pour vos enfants. Il faut que ces enfants, qu'ils soient au courant. Vous ne pouvez pas laisser un enfant un héritage s'il n'est pas préparé. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes de ce pays-là soient conscients que le Congo, c'est leur pays. Il faut qu'ils s'intéressent à l'appareil politique, puisque sans ça, on ne pourra pas y arriver. Donc si aujourd'hui, nos grands frères, nos papas sont débordés, nous, on va les aider à lâcher un peu de laisse. On va récupérer l'appareil politique. Mais visiblement, sur la scène politique, on laisse, on ne sait pas trop des jeunes. On ne voit pas vraiment des jeunes en activité, en action. C'est dû à quoi? C'est par peur ou parce que les vieux ne veulent pas laisser leur fauteuil attaquer? Vous imaginez aujourd'hui, quand j'ai annoncé dans notre parti, je suis le président de mon parti pour un seul mandat de 5 ans, après je passe là-bas. Ne dis pas ça. Ça n'existait pas au Congo. Au Congo, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a des présidents de partis qui sont là, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mm-hmm. Ça veut dire déjà que dans leur parti, il y a déjà, le dictatorial, quoi, parce qu'ils sont déjà dictature. Donc, comme moi, je dis un mandat par un président de parti, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans 5 ans, quand je vois mon âge, c'est tout à fait normal que je passe la main aux jeunes qui sont là. Pourquoi que ça, moi qui reste tout le temps président? Mais à un moment donné, on peut avoir plus des idées qu'il faut. Donc, malheureusement, tous ces gens-là, tous ces partis qui sont là, soit ça fait des années, mais pour faire asseoir leur autorité macabre. Donc, ce n'est pas des gens aujourd'hui, on peut compter sur eux. Tous les jeunes qui sont derrière, ils vont espérer la mort de ces vieux-là pour qu'ils deviennent présidents. Et puis, comme ils ne veulent pas aussi mourir, donc ils traînent les gens à la laisse. Ils sont présidents 20 ans, 40 ans, tout ce que vous connaissez, les gros, de grosses pointures, de grosses têtes. Et dans tout ça, combien des enfants qui ont fait mourir dans ce pays-là? Aujourd'hui, j'ai compati, je suis dans l'opposition avec eux, mais il faut qu'on change de choses. Mon verre est de le prendre à l'intérieur pour récupérer l'appareil. On avait dit que l'émission est bilingue. Nous sommes avec M. Bambalé, bienvenue. Le loto zonga na monoko mboka. Ata 25 ans liban na mboka. Oza mwa na mboka. Oebi monoko malamu. Tango yozolo ba dialogue technique. Kaka nakata dynamique, ba mso ba dialogue politique. Nakata rassemblement, requisition ya Edem Kocho. Boko mwana teke bino ba politique ki bi opposition. Boza kape kotourne si kamoko boke ne se pa ite mwana mboka bebe mbambale. Mwenye na lobaye ke, na kache ba ndinga ba polisi wana, ba tu mbaza wana pona nzala, pona libungo. Ba osa la potipo, lini ba, ba zwa mbongo. Ba nini kosele ba tu mwoso sute. Donc il est temps que Busso va agir dans ce côté, mais quand tout ça n'a pas, tout peut être moins bas qu'une retraite. Sans ça, il va créer un dialogue, il va coopérer, M. Kabel va revendre, il va caboter le gâteau, pour la continuité. Donc il faut que ma jeune tout bas s'est réveillé, que bas s'intéresse à l'appareil politique. S'il n'y a pas élection, je dis l'article 104 qui dit de faire barrage à toute personne qui lui prend le pouvoir par la force. Donc ça, on va l'assumer, on va le faire. Tous ces politiciens qui sont là véreux, qui veulent accompagner le pouvoir de Kabel, c'est très bien. Mais nous, on va le mettre fin d'ici le 19 décembre. On va le mettre à barrage là-dessus. On va le combattre. Mais Kassi, Talisa Bissonano, beaucoup ça la bonne. Nazo Koloba, dialogue, et Zoko Lobama, Binoboligi Soukine, dialogue, et Edem Kodjo Salidoni. Au moins, il y a un mot au Kodjo, soit avec nous, avec une lettre réellement, dans votre temps d'image. Mais malheureusement, l'accumulation n'a pas été à l'accès qui a été plus de préférence, et pas à président de la République. Vous savez, malheureusement, moi, je suis un peu comme ça. 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 Donc, nous, dans l'opposition, on a préféré de faire appel de plusieurs observateurs extérieurs. Pour au cas où s'il y avait manquement, qu'il y a une pression extérieure sur Kabila. Est-ce que Kodjo y est mon coucou dans le Kodjo? Ah, ça, le Kabil a pressionné. Si M. Kabila, il manque un peu de respecter ses priorités. Il fait quoi? Facilitateur Edem Kodjo, il y a un facilitateur. Binonne, le Congolais, au moment de temps, il y a un réquisé Edem Kodjo. Bien sûr, il y a un peu de soya. Ce qui est un peu de la majorité, il y a un peu de soya. Il y a un peu de moi te que peuple les oignons comme et bon nous tourner quand qu'est-ce que moi moi te que binonde beaucoup ni moque dialogue mais coach coach mon bakat na binonde mon amboka babale bon moni même là c'est dans ce moment maman papa va soigner ben ga comme ce ba noko va ta moisi car nous tout moroté comment ça mboka mieni comment tu vas là nous tout monko
Nous, on a voulu qu'il y ait d'autres personnes, quand même, si, comme tu es à Limbi, peut-être, des fois, à force de parler, l'entretien peut-être est quitté à remonter. Donc, soit à Imoko, il y a des, peut-être à vous consulter, à comme on ça. On a besoin qu'ils soient accompagnés. Donc, il y a ça. Il y avait un groupe européen, Union africaine, oui. États-Unis, consorts, ils ont accepté à quoi. Il y a quoi, Zananedem Kojo. Mais il y a un groupe qui a été. Non, mais c'est quand je l'ai la mauvaise foi. Comme je disais que Alexis Kazani, au Kaboul Mouin Mabé, si je suis en train de faire 4 tours de Tchoboué, au Kaboul Mouin Mabé, je suis en train de faire 4 tours de Tchoboué, je suis en train de faire. Donc, déjà, même la façon dont il était plus pour monsieur le président. Donc, il ne considérait pas les opposants que nous sommes. Donc quand on est opposant, donc on mérite quand même de savoir le respect, parce que nous défendons un peuple. Tu vois, moi pour ma part, je quitte une femme et un enfant, je quitte toute une famille pour vivre dans mon pays. C'est-à-dire que je crois à mon pays. Hein, comme aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi être là avec des stages, Bangongi, mais Nazar on dit Mango, pour ça Mboko n'a pas dans le tableau. Parce que Nazar mourra Mboko. Donc un mec comme ça, parce que nous, on ne peut pas l'accepter. Si quand on est en Mboka, 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 on est en Malheureusement, aujourd'hui, en Mboka, on a mis tout ça pour la richesse. Moi, on est en Mboka, on a trois couches. Il y a les pauvres, le moyen et les riches. Au Congo, il y a seulement deux choses. Ou tu es pauvre, pauvre, ou tu es riche. Le moyen n'existe pas. Au Congo, aujourd'hui, on n'a pas lancé la chance à des jeunes Congolais de venir gérer ce qu'on appelle aujourd'hui des entrepreneurs. Moi, quand j'ai créé mon entreprise ici, il y a 15 ans en arrière, j'ai frappé des banques congolaises ici, je n'ai pas pu avoir un crédit. On m'a dit, monsieur, il faut d'abord avoir des maisons à l'étage pour avoir un crédit. Je dis, monsieur, pour un chef d'entreprise, il doit risquer. Vous devez risquer avec moi. Non, monsieur, il faut d'abord, ça ne va pas en gros pour ce crédit. Donc, si déjà, on demande à un jeune qui veut créer son petit business, d'abord qu'il a des maisons. Ça veut dire déjà qu'il s'en sort. Dans nos pays, que là où je vis, on crée une entreprise, on n'a pas l'argent, on a les idées. C'est ça qu'il faut. Parce que les idées, c'est l'argent. Mais sinon, les idées, ça ne compte pas. Alors, vous imaginez aujourd'hui au Congo, vous avez la banque, mais ce n'est pas de banque congolaise. Notre économie n'est pas entre les mains. Tout le communisme congolais aujourd'hui, il est entre les mains des expatriés. Donc, demain, s'il fait comme ça, il peut nous mettre tout de suite à la paille. Tout ce que vous voyez, tous les banques qui sont ici, c'est des banques étrangères. Au Congo, on n'a pas une banque congolaise, n'existe pas. Oui, moi, Moka, bienvenue dans Balet, Zoko, toujours dans cette émission. Parce que les gens qui ont une dynamique, dans la opposition, beaucoup de Makambo, Nengeza Koleka, élection, Izoyati, dialogue, ils ont traîné toujours le pied. Les gens qui ont commis la consultation, nous sommes en Nzambe. Je me suis dit que je suis en train de faire des espace pour consulter. Est-ce que vous avez un peu de décrisper la situation politique aux années longues au cannabis? Malheureusement, pour les gars, il y a un peu de temps. Ah, ça, c'est une source. Puisque mon ami, je disais que gouverner, c'est prévoir. J'ai bien dit, je me répète, Kabila est rentré au pouvoir en 2001. Donc, sans compter peut-être 1 plus 4, aujourd'hui, Azan a 15 ans à vous conduire. Le léopard, sa bonne foi, on ne devait pas parler des dialogues ou des concertations ou quoi que ce soit. Il devait nous faire les élections en bonnet du fort, faire une passation, je dirais, ou bien une transition, mais royale, qui devient un sénateur à vie. Il y a une vie après la présidence. Et malheureusement, peut-être lui, il veut partir, mais ce sont son entourage qui veulent s'accaparer, qui veulent s'enrichir. Mais c'est quoi le temps où l'entourage ou a besoin d'un cocotique à la nengi, mais nous besoin comme on a. Parce que le dialogue, notre dialogue est basé sur deux choses. Oui. Aujourd'hui, il y a une partie qui ne veut même pas aller au dialogue, puisque eux, ils se sont restés sur leur vision. Mais ils vont avoir la nouvelle de comment. Moni, dialogue aux équipes, Blumbalé. Technique, na, je dirais, politique. Le lot, par exemple, tombe sous une partie sous le bois pour un dialogue. Pour, on a un mot, c'est le dialogue, mon coup, technique. Pas plus de date, il y a l'élection, un point, c'est très. Par exemple, on a raison. Mais ce qu'on a un rassemblement, le père de l'opposition, tu sais qu'il dit bon, ok, bon, tiens, moi, il n'y a rien d'amour. En 10 minutes, nous avons un solo, nous avons un poids, et bien, nous avons un solo. Dans le solo, on a un score, nous avons un solo, nous avons un 15 ans de pouvoir. Peut-être, je pense que, avec le cas, nous avons sorti à bien. Puisque nous avons un gouvernement,
moi bah cadavre ils ont un carton placard alors bon tant que soit le winou moi là rôle de l'aller ma gamme sous t'es vieux tant que sous bah assuré des parnaïs bah assuré tant que moi tranquille t'es naïf moi c'est mon dialogue voilà tout bon était ce qu'on a dit alors au le père patriarche en début qu'on a dit le voilà pour attendre bah tout na wana yo Kabila Olingini Olingoti a sénateur à vie Olingi bah c'est mon bon noté bandak noté ok dans ce cas trop sol là en gros mais na fin d'un dé oyo pour yo tika bokonzi tant que sous bandi maman article moué salama que tu sais que déjà conduire transition puisque bon c'est pas aussi légal parce que la constitution ne permet pas mais bandi maké tu sais que déjà comment présent la transition pour bien avoir ma transition ou bien pour basse à l'élection dans le boulot. Est-ce que vous comprenez que nous avons une majorité vendue et nous avons dit que 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 nous avons pas que nous avons dit que nous avons dit oui, mais nous avons dit que bien, parce que le mandat de mon compte en Boca, le 19 décembre, est civil. Malgré la courbe, PCI et moi, arrivé en 70, nous avons arrêté mon compte arbitraire. Il ne devait pas sortir en ce moment-là. On parle de cet arrêt-là s'il y a élection. Mais il n'y a pas eu élection. Pourquoi nous parler de l'arrêt 70? Mettons que ton dîme arrêt n'a pas en gros. Très bien. Mais ce que l'arrêt, ce sont 13. C'est en 3. Il y a un peu le but qu'il faut. Mokondembo a convoqué Makambu 90 jours avant, afin d'un mandat d'arrêt. Ce sera assez garanti, ça veut dire qu'ils étaient morts. Donc, inconsciemment, chance les apprendre à Bango. Parce que moi, je suis bébé. Donc, je dis que je suis un peu plus de temps, que je suis passé en ce moment, parce que je suis mal à l'âme. Sans ça, je suis un blocus, je suis un peu plus de temps, c'est que nous, on ne veut pas. Aujourd'hui, le Congo va souffrir. Regarde un peu aujourd'hui à Béni. Aujourd'hui, on parle de 50 ans morts par RFI. Et maintenant, notre majorité qui parle de 37 morts. Vous imaginez là où le président de la République aille faire ce qu'il a à faire, il tourne le dos, on tue 55 personnes comme ça. Vous savez, à l'époque, je vais vous choquer, on avait un dictateur, Mobutu. Il était dictateur, oui. Mais à cette époque-là, on n'avait pas un coin du Congo. Il était assiégé par un groupe de gens armés, bien par des machettes qu'on coupait les gens. On avait un président fort, dictateur, mais au Congo, on ne tuait pas les gens par la machette. On n'est pas des guerres comme ça. Maintenant, on a un président libéral, gentil, on tue les gens partout. Il y a un peu de insécurité, ma casse, bongo, ba congolais, ba kofa lokola, ba mbinzo, et puis on y est, et là, comment ça va te mener, le déni national, namboka, toujours comprendre, il y a une baille politique, bon, on y lecture une beaucoup ça dans la position par rapport à l'insécurité dans l'Est. Vous savez, il faut appeler un chat un chat. Afdel aïe na Kinshasa, n'a pas lié étranger. Afdel a continué Kinshasa, n'a pas rwandais, ba ougandais, ba angolais. Azaki Arnomoko brassé, arc-en-ciel. Tout le monde n'a qu'à savoir, chef d'état-major, James, un Rwandais, dans l'histoire du Congo. Tout le monde n'a qu'à pas d'Africanité, tout le monde n'a Congo. Donc, Azaki Berrer. Tout le temps, il m'a dit, je dirais, Mouzé, a eu conscience que bon, maintenant, il faut que nous disions, au fond de la zone, c'est Bango. Bango, il y a un groupe, qui a créé tous ces groupes-là? Les MLC, non, ce sont le Rwanda, tous ces gens-là, aujourd'hui. C'est les mêmes alliés de Mouzé à l'époque qui ont combattu Mouzé, qui ont occasionné sa chute et sa mort. Aujourd'hui encore, son fils qui répartent encore voir ses alliés. Oh, il y a un problème. Mais non, il y a aucun des coucou, t'as la bonne pour la Koloka. Qui met la boca, mon boca, papa? Qui met comment, mon cher? On a un groupe d'armée de 5000 hommes ici, là, soi-disant Kunda M23. Là. Hein? On a aujourd'hui une armée plus de. Je ne sais pas combien d'hommes ils sont dans cette armée-là. On ne peut pas le mater ces gens-là pour quelle raison. Ça veut dire qu'il y a un laissé-aller. Lui, c'est fait sciemment, parce qu'aujourd'hui, à Béni, on tue un peuple, on déplace un peuple pour mettre un autre. Moi, j'assume le mot. Ça fait 15 années que cette histoire existe aujourd'hui. Puisque dans tous ces coins-là, il y a quoi? Cette partie qui prend un peu entre le Rwanda ou l'Ouganda, ils viennent faire leur guerre chez nous. Pour quelle raison? Pourquoi pas de vous dépendre de mon moment de parler de soi? Vous avez terrain vide, ils ont m'acheté. Il faut me connaître pourquoi ils ont ma casse pour aller dans le bateau. Et comme ça peut aller, et donc du coup, comme un peu n'importe quoi, dans ma tine, dans la zone, dans ma tine, dans la zone, puisque quand tu manges avec le diable, ben, t'es embêté.
mais le bani ni MJ ça veut quoi adresser lelo na ba famille bandeko ba kufeli batu ebeli na kati ya massacre sami na beni na est kuna. En tout cas, je prends un air solennel, je parle à tous mes frères et sœurs congolais, congolaises, de Congo, c'est notre pays. C'est que vous vivez, vraiment, je suis avec vous de tout le cœur. Là, on a quitté Paris, France. Est-ce que moi, c'est une entreprise, une pour tout le cas, tout le monde. Si c'est soi-disant gouvernant, au bas de comme Mboko, beaucoup de gens sont en été, c'est pété. Nous, d'ici la fin de l'année, on va se prendre en charge. On va régler ces problèmes-là. On a la capacité, le moyen. On peut le faire. Quand son position, on a la capacité, le moyen, pour combien biteni, on a bien dans la boye, azonga, boliko sanganate. Vous croyez que bino position, boko consomme kambo, namokango. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que tout ça la moi bilan à chacun. Il y a chaque, soi-disant opposant. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent opposants, mais ils sont là depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son parcours? Aujourd'hui, toujours m'attendre dans Boka Poto, avant de gouverner Batunayo, l'accès passif, Nayo, Nabatif. Aujourd'hui, au Congo, on voit des gens qui arrivent, on ne sait même pas leur cursus, leur CV, d'où ils sortent, leur patrimoine. Il faut que, totalement, messieurs, ça fait 20 ans, 5 ans, vous êtes opposants, messieurs, vous avez fait quoi pour la population, messieurs? À part seulement, ça réchauffe tout seul. Si ça vaut le coup, tu peux continuer à être opposant. Mais sinon, il faut passer la place. Vous n'êtes pas les seuls qui allaient gérer les sciences infiges ou les savoirs. Malheureusement, ces questions, on ne les pose pas. Puisqu'ils se sont imposés. Moi. Bande Komosusu, il y a MLC, il y a Bangote, il y a l'Assemblement. Le Tomoni INC est comme une Nanga Moussousou. Tomoni Jalissien Boussanamaka Moussousou, l'Assemblement. Boliko Sanganati, mais beaucoup de pouvoir n'est pas opposant. Tomoni, nous sommes. Moi, je parle pour moi, je suis ce qu'on appelle un peu, je dirais, affranchi. Je n'ai pas des.